Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. Là, dans la dernière session, qui était il y a un mois actuellement, au moment où je vous parle, parce que les sessions ont dû sortir un petit peu plus rapidement, mais j'ai eu quelques galères. Nous sommes enfin arrivés à Pas d'Hiver, nous avons rencontré notre oncle Daegun dans le quartier des, que je dise pas de bêtises, marchands. Je vais dire une bêtise. Perdu, quartier des docks. Qui se trouve d'ailleurs, je peux vous le montrer sur ce petit plan qui se trouve normalement. Juste. Ah, on se couvre. Juste ici, dans la shop sans fond. Nous l'avons rencontré, il nous a expliqué un petit peu notre passé avec notre mère, notre oncle. Et nous avons aussi rencontré quelques personnages qui avaient des problèmes avec Nishka. Nishka qui est un personnage non jouable, qui était mon compagnon, qui n'est pas là comme vous avez pu le constater. Et nous avons aussi découvert qu'il y avait quelque chose qui se tramait à Pas d'Hiver, notamment avec des bandits qui faisaient régner leur loi. Nous avons décidé de prendre la manière loyale, c'est-à-dire entrer dans la garde pour pouvoir accéder au quartier de l'Ac Noir afin d'y découvrir ce qu'il s'y passe, parce qu'a priori c'était là qu'on devait aller. Malheureusement, nous avons le choix entre soit prendre la version mauvaise, c'est-à-dire nous rallier à ces bandits, soit les bons, la garde. Nous avons choisi la garde, nous avons fait un petit tour du côté du quartier des docks. Et durant notre petit tour sur les postes de garde, nous avons rencontré la magicienne Kara, qui a des problèmes avec les magiciens. Ce qui fait que c'est une quête personnelle de ce joueur, comme il y a une quête personnelle avec Kargar pour Danel. Il y a une quête du coup avec Nishka. La quête avec Nishka, j'ai essayé de la faire, je suis trop bas level, donc du coup je garde ça dans un coin. Je verrai pour Kara et Kelgar Pondanel, c'est un personnage que je vais garder le plus longtemps possible pour faire sa quête. Nous étions partis plutôt vers la traversière et parce que c'était un coin qui semblait être le plus propice pour une mission. Et d'ailleurs c'était là où nous devions aller car le poste principal de garde s'est fait attaquer. Et surtout nous avons rencontré un enfant qui, semblerait-il, était assez malin pour se faire passer pour une victime auprès d'un garde de la ville. Bref, ce résumé est bien trop long. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre cher ami Brandy Black, ainsi que ses compagnons, ses quatre compagnons, Kara la magicienne, Elanée, la druide et Kelgar Pondanel, elle, nain, super badass, vont continuer la quête. Soyez prêts pour cette nouvelle session de Neverwinter Nights 2. C'est parti pour aller à la traversière. La traversière, s'il te plaît, merci. Oulala. La traversière qui mène en effet sortie de la ruelle. C'est une ruelle, d'accord, qui m'a l'air assez... pas ouf. Alors, il y a aussi une chose, c'est que j'ai fait quelques petites modifs au niveau de mon micro. Normalement, j'ai fait un test, on entend un petit peu moins fort le clic de souris. Voilà. J'espère que c'est tout bon. Mais... normalement ça devrait s'entendre un petit peu moins. C'est parti. Vous avez été très utile, garde. Considérez cet or comme un cadeau. Oh là 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 là. On ne fait que... Mouais. Ça, c'est pas une très très bonne chose ce qui se passe. Cette zone est fer. Qu'est-ce qui se passe par ici ce soir? Tout va bien, on n'avait pas besoin de renfort ce soir, nous devrions trouver un petit endroit tranquille où vous détendre, dire rien. J'ai des choses à faire, j'essaie de me montrer même, on n'a pas besoin de vous. Cornic ou Brelem, vous en sûr. On est dans le même camp, et j'essaie de vous aider, maintenant fichez le camp. Soudoyer, non, diplomatie. Échec. Moira, eh bah dis donc. Combat contre la garde.
Moi qui essaie d'être sympa. Moi qui essaie d'être très sympa avec ces gens-là. Et bah, oh là là, magicienne. La magicienne Kara. Oui, alors la magicienne Kara, ne pas l'énerver, très clairement. Ça là là, quel or nul. Tout ça pour ça. C'est très peu. Bon, je vois qu'on a affaire à des professionnels, notamment à des bandits, notamment à plein d'autres gens. Et ça m'énerve. Donc du coup, ça va être la grosse bagarre. Oh non, il y a des brutes. Enfin, il y a des, surtout des... Why? Alors j'aimerais bien qu'on se mette tous sur le même mec, les gars. Hein. Je sais pas contre qui il est, lui, mais... pas du tout la bonne personne. Kara, mais Kara, je t'aime. Kara, mon amour, en fait. Kara qui est ultra puissante. Alors, c'était la meilleure idée de l'avoir dans mon équipe. Par contre, les gars, il va falloir qu'on revoie la stratégie d'attaque parce que tout le monde devrait attaquer les mêmes personnes que moi. Je pense que vous êtes au courant. Bien, 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 bien. Ben, en tout cas, je pense que Kara va être un élément très important dans cette partie. Alors, vous voyez, 2022, enregistré en 2021. Ouais, désolé. Excusez du retard. Voilà. D'ailleurs, j'en suis au niveau... Ah, je suis quand même loin, loin, loin. Même très très loin. Donc les gars, si... Ah, attends, il y a un tonneau. Oh là là, potion de soins légers. Très 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 important. Kelgar, tu n'as pas de potion, Kelgar. Qu'est-ce qui se passe? Kelgar, tu n'as pas de potion. Oh, elle a... Mais alors Kelgar, tu as quand même beaucoup de points de vie. Par contre, Kara, tu n'as pas de points de vie. Et ça va être... Ouais, Kara, tu vas prendre 6 potions. Kara, tu peux... Ouais, si, tu peux quand même porter du bordel. Je vais te passer des trucs. Je vais te passer de l'équipement et des poids. Alors, sachant que, pour une raison que j'ignore, à partir de 120 de poids sur mon personnage principal, je ne peux plus avancer correctement. J'ai mis un petit peu de temps avant de le découvrir. C'est un peu bête. Et je me rends compte que j'aurais peut-être dû passer. Ouais, j'aurais potentiellement dû passer chez un marchand pour récupérer des trucs. Enfin, pour vendre du bordel surtout. Oui, oui, oui. Alors ça par contre, ouais. Je me suis fait avoir, j'ai pas vu. Oh, voilà. Oh. Allez, on attaque s'il vous plaît les gars. Kara, vas-y. Mais il esquive tout. Merci Kara. Bon attends, je m'occupe de lui. Hein, histoire que vous occupez d'un seul gars. Merci, sournoiserie réglée. Bien, bien, bien. On a... C'est bon. Tout se passe pour le mieux, pour le moment. Du moment que personne ne décède, moi, ça me convient parfaitement. Par contre, il se passe des choses là-bas. J'aime pas bien ça. J'aime pas du tout ça. Vraiment. C'est peut-être ce que j'aime le moins. Beaucoup de gardes. Et pas ouf. Super. On dirait que la garde est déjà là. Et ceux qui ne sont pas dans le boucan, on va faire. Ces gardes. Moira a dû les soudoyer. Regardez. Ces vermines sont même à coquiner avec les rats des docks. Les traîtres. Ils sont pires que les pires démons.
Au moins, Nishka n'essaye pas de se faire passer pour autre chose. Ces frimeurs ont besoin qu'on leur dérouille le bas du dos. Prêt à leur fendre le crâne? Non. Il va falloir trouver une autre solution. Pourquoi se battre? Je suis une ensorceleuse. S'ils nous croisent, je les transforme en torches. Je pourrais provoquer un incendie à quelques rues d'ici pour que la garde aille s'en occuper. Ils n'ont pas l'air très intelligents. Et on pourra s'occuper des bandits sans que la garde vienne à leur aide. C'est parti. Cachez-vous et attendez de voir la fumée. Bien vu. Oh là là. Quelle stratégie. Au feu, mettez-vous à l'abri. Par les dieux, pas ce soir. Allez les gars, on y va. Avant que tout le quartier parte en fumée. Vous allez où là? La bande de Moira vous paye pour que vous restiez avec nous. Le reste de la garde s'en occupera. Vous nous avez payé pour fermer les yeux, pas pour laisser les docks brûler. Restez ici, on revient vite. Impeccable. Stratégie qui fonctionne. Ça va suffire. C'est moins drôle que de cramer les écuries de l'académie, mais il y a des chances qu'ils maîtrisent le feu rapidement. Ils sont séparés pour le moment, mais il faut agir vite. Alors, Bien de se lâcher. Allez, on va réduire ces bandits en cendres. Ouais, et bah go. Ça ne durera pas. Go. Power Rangers, exactement. Salut les mecs, comment ils vont? Les gars, c'est quand vous voulez pour me donner un coup d'aide. Petite aide, s'il vous plaît. Merci. À mort, déjà. On se met déjà 2 sur 1. Parfait. Impeccable. On récupère tout et on se barre. La garde va sûrement arriver d'un instant à l'autre. Aucun drop. Parfait. Ah, il y en a là-bas. Et bah, on y va. Attendez. Je fais une sauvegarde. Premièrement. Voilà. Tu te souviens de Neymar de la, n'importe comment. Et on va parler au chef. Bonjour. Oui. On n'a pas de problème. Qu'est-ce se passe-t-il ici? On attend quelqu'un, c'est tout. On ne pourrait pas trouver quelqu'un d'autre. Interrogeant est un peu cul. Alors, il paraît que la bande de Moira essaie de se faire rentrer des armes douces ce soir. Il paraît qu'elle prépare la guerre contre les gardes. On peut pas laisser faire ça, elle noirait les docks dans le sang, alors on va s'arranger pour que ce chargement ne parvienne jamais. Intéressant, messieurs, dames. Au moins, nous essayons tous de l'arrêter. Assurez-vous que la caillerison ne passe pas. Ne vous inquiétez pas pour ça, les gars et moi. Ah, très bien. Il y a d'autres amis qui veulent s'approprier ces armes, mais je pense qu'ils sont moins raisonnables. Merci, bonne chance. Mais les mecs, vous êtes des bonnes personnes. Sachez-le. Oula. Oh là là. Des brutes magiciens. Au vu de leur dégaine. Et moi, j'aime pas bien ça, les magiciens. Du nom de Dieu, Kira. Kira, mais mon amour. Kira, mon amour, je veux sortir avec toi. Kira, ou Kara. Oh, par contre, Kara, qui prend ultra cher dans ses dents. Et ça m'énerve. Faut que je lui donne beaucoup plus de potions. Oh, j'ai vu un malus de type poison. Ah, attendez, il y a un petit drop. Parchemin. Alors, voyons voir ce parchemin. Convocation de créatures. Oh, je sais exactement qui va prendre. Tu fais ce que tu veux avec. Je te le confie. Bien. Où est-ce que je suis maintenant? Faut que je me remette un petit coup la map. Ok. Je vais aller tout droit histoire d'être sûr et certain qu'il n'y ait personne. Là, doit y avoir quelqu'un.
C'est une petite zone, mais on apprend les choses. Et quelque part, quelque chose me dit que ça ne va pas être de tout repos. Oh! Tiens. Écartez-vous, ça ferait mal de blesser un compagnon de garde. Vous aidez Morera à faire passer les armes en contrebande. Et qui dit que les docks ne s'en sortiraient pas mieux avec elle aux commandes? Elle paye beaucoup mieux que la ville. Ces gardes, votre loyauté est à vendre en plus en France, si je comprends bien. C'est toujours mieux que de risquer sa vie pour des prunes, mais ça m'engage que moi, peut-être que les autres ne sont pas du même avis, je peux toujours poser la question. Quelqu'un d'autre ici, quelqu'un ici veut renoncer et rendre l'argent qu'il nous a déversé. Une dernière chose, de m'aider à... C'est la bagarre, c'est la turbo bagarre, c'est la méga bagarre, Kara. Kara, c'est ton moment. Kara, ça va être ton moment de tuer tout le monde. C'est ton moment, Kara. Hop, potion. Ah non, Kara, non. Elle a qu'une potion, Merde, moi, stop, pause. Soin léger. Voilà. C'est bien joué, Kara, bien joué, il reste une brute. Allez. Oh là là, mais la brute qui est tellement puissante, c'est pas... C'est bien, maintenant il en reste deux là-bas. Il en reste un seul. Mon dieu, quel combat. Yes! Bien vu, les gars. On ramène ce chariot à la garde. Allons-y. Attends, je ne suis pas encore prêt. On va déjà se soigner. Faut fouiller tous les drops. Parce que là déjà, faut absolument que j'aille acheter des potions rapidement. Collier en cuivre, ça sera toujours ça. En termes de tunas. Bien. Là, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Je rappelle évidemment que nous jouons sur une version physique du jeu vidéo. Et bah du coup, le chariot, allons-y. Ah, capitaine. Lieutenant, qu'avez-vous à rapporter ? La cargaison d'armes. J'ai mis fin aux activités dans les docks, les marchandises clandestines étant destinées à une guilde de voleurs dans les docks qui opérait depuis un entrepôt près du quartier du marchand. Alors, comme nous le pensions, notre informateur disait juste. Rendez-vous immédiatement au point de rencontre et occupez-vous de ceux qui devaient réceptionner ce chargement. Ils seront sans doute plus faciles à éliminer sans les armes qu'ils devaient recevoir. Mais faites attention, gardez aussi l'œil ouvert si vous trouvez quoi que ce soit qui pourrait nous en apprendre davantage sur les opérations de contrebande. Nous avons coupé un itinéraire, mais il doit y en avoir d'autres. Bonne chance, lieutenant. Et faites en sorte que ces hommes soient éliminés. Ok, très bien. Non, soyez impitoyable. Ok, où se trouve l'entrepôt ? Vous ne voudrez pas sans doute vous risquer à nous... Mais il y a une entrée dérobée non loin du quartier des marchands. Oh. Ok, donc je dois aller de quartier des marchands. C'est... Qui part ? Ouais. Alors, attends. Il dit quoi, votre problème des objets dans le... Ok. Ok. Et eh ben parfait. Une bonne chose de fait. Et eh ben direction le quartier des marchands. Si je peux sortir par là. C'est par là. Il faut sortir par là.
Alors, où se trouve cette tour? Eh ben, hé. Ben voyons, c'est un des endroits auxquels je ne pouvais point accéder. Cependant, avant de faire quoi que ce soit, je vais passer chez le marchand. C'était là que je dois aller pour la quête de Nishika. Mais je vais aller chez le marchand. Du coup, il y aura une petite ellipse. Pour vendre un tout petit peu de bordel. Racheter énormément de potions. Je vais en avoir énormément besoin. Au vu du gros combat. Et voilà pourquoi. Excusez-moi. Comme je le... Halte là. On dirait bien que nous avons là une voleuse. Je courais, c'est tout. Je cours vite. Une voleuse? Où ça? Vérifiez votre bourse. Et ne t'avise pas de courir, petit. Pitié, monsieur. Je ne faisais que courir. Je peux partir. Mais vous avez raison. Ma bourse a disparu. Tu vas m'accompagner à la garde dès que tu m'auras rendu ma bourse. Que se passe-t-il? Cette petite voleuse est un fléau. Les rues ne sont plus sûres. Il y a quelques jours, j'ai perdu 10 pièces d'or à cause d'une voleuse comme elle. Et je ne vais pas laisser celle-là s'en tirer, même avec son petit air innocent. Vide tout de suite tes poches. Ah. Fouille. Vous devez avoir raison. Vous avez l'œil. Oh, regardez, une bourse par terre. Vraiment? Désolé, messieurs. J'ai faim, c'est tout. Ne me dénoncez pas. Qu'est-ce que vous lui faites? Ce n'est qu'une petite fille. Vous avez récupéré votre argent. C'est vrai. Regardez-la. On devrait la laisser partir. Mais ne recommence pas, petite. Tu t'en tires bien cette fois. Heureusement que vous étiez là. Dans la rue, on est dur avec les enfants. Merci. Je t'en prie, mec. Je vous le revaudrai. Mais je t'en prie, gamine. Par contre, toi, je crois que je t'ai déjà vu quelque part. Du coup, je disais, marchand. Montre-moi ce que tu as à vendre. Je vais faire une ellipse et puis on revient dès que j'ai tout acheté. Et tout vendu.